Concrètement, à part BXNO et Anaïs, personne n'a été clean. Eh bien salut à toutes et à tous, il est 16h, j'espère que vous allez tous très bien. Pour ma part, ça va nickel. Comme d'habitude, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo très particulière. Nous sommes sur Minecraft et je vous parle avec une voix off. J'ai un petit peu le seum, je vais pas vous mentir. Écoutez, je suis avec Anaïs, vous pouvez le voir. Et en fait, on était sur Madventure, la map Madventure saison 1, donc le monde de Mkolo. Et en fait, on est allé se rappeler un petit peu des souvenirs. On a passé 3 heures à regarder ça. Et aussi Madventure 2.0, donc si jamais ça vous intéresse, je ferai une deuxième partie sur justement Madventure 2.0. En fait, on est allé un petit peu se faire un coup de nostalgie, mais malheureusement, le son n'a pas été enregistré. Il y a seulement le son du jeu qui a été enregistré et pas nos voix, donc je suis un petit peu dégoûté. En tout cas, voilà, je vous fais donc une voix off pour un petit peu vous retranscrire ce qui s'est passé et surtout les révélations. Parce que du coup, j'ai fait apprendre des choses à Anaïs qu'elle ne savait pas et que vous non plus, vous ne savez pas. Et j'ai un petit peu peur d'ailleurs de vos réactions, mais vous allez très vite comprendre. En fait, il s'est passé pas mal de choses, la vérité sur Madventure, ce qui fait que ça s'est arrêté, ce qui fait que voilà. Alors, petite parenthèse, ne blâmez pas les personnes concernées, j'en fais partie aussi, mais voilà, il s'est passé des choses et c'est du passé, c'est derrière nous. C'est pour ça que justement j'avais envie d'en parler aujourd'hui, parce que maintenant on s'en fiche et on est tous en bon terme entre guillemets, donc il n'y a pas de problème. Mais voilà, ne venez pas blâmer, vous allez apprendre des choses et ça risque d'être un petit peu particulier. Là on est actuellement sur une partie de la map un peu reculée. Pour ceux qui s'en rappellent, c'était Créo qui avait construit ça à la fin de la série, quand c'était vraiment terminé. Retenez bien ça, ça a son importance. On en parlera au milieu de la vidéo, vous verrez. Donc voilà, retenez juste bien ça. Petite parenthèse, merci à OMG Serve, parce que les copains, c'est grâce à eux que nous pouvons faire cette vidéo et qu'on va faire d'autres vidéos, j'imagine, dans ce genre un petit peu détente. Voilà, OMG Serve qui nous prête du coup un serveur pour pouvoir faire un petit peu des vidéos à la cool. Ça fait très plaisir, donc merci à eux. N'hésitez pas à passer chez eux encore une fois si vous avez besoin d'un serveur Minecraft. Donc là, en fait, on arrive tranquillement sur le monde que tout le monde connaît, le monde de Mkolo, Madventure saison 1. Pour rappel, quand même, faut savoir que c'était une aventure solo au tout début et ça a son importance, vous allez très vite comprendre, ça a son importance. Voilà, à la base c'était solo et ça s'est transformé en multijoueur. Un truc que j'ai dit, que je regrette, mais clairement ça a foutu en l'air Madventure, c'est ça. C'est cette chorus flower, enfin cette forêt de chorus et ma maison que j'ai transformée en maison hantée. C'est un truc qui a tout gâché. On était tous d'accord, hein, vous les abonnés et moi-même, pour faire ça parce que j'avais envie de changer, je m'étais lassé, j'en avais un petit peu marre, mais résultat ça a tout gâché et ça m'a encore plus lassé pour ceux qui s'en rappellent. C'est vraiment dommage d'avoir fait ça. Du coup j'avais une nouvelle maison que voici, que vous voyez, c'est Nerwi, l'abonné Nerwi qui me l'avait construite, qui était très sympa, j'avais pas mal aimé cette maison. C'était plutôt cool. Là en bas, j'avais fait quoi là? Oui, là j'avais ma table d'enchant, j'avais une boîte de réception. En fait, on s'envoyait nos items de maison à maison avec BXNO. En fait, on était à l'opposé et on pouvait s'envoyer des trucs par là avec un système de hooper. Là, on descend, on va arriver sur un petit endroit secret que je crois... Je sais plus si j'avais montré ça en vidéo ou non, mais c'était un petit endroit tout cosy, tout mignon que j'avais fait pour BXNO à l'époque. D'ailleurs, petit moment gênant avec Anaïs, parce que en fait, du coup, là, il y avait des panneaux un peu codés, hein, des panneaux un peu codés que j'ai réussi à retranscrire. Donc, je ne vais pas vous dire ce que ça veut dire, mais voilà, c'était un petit peu le moment gênant quand je me suis rappelé ce que ça voulait dire. Voilà, mais c'était plutôt cosy comme endroit. J'ai bien aimé. Voilà, et tout le monde avait bien aimé. Là, on avait fait des tunnels qui reliaient un petit peu les maisons de tout le monde. À la base, c'était pour relier ma maison avec celle de BXNO, et puis après, il y a eu des tunnels en parallèle pour relier toutes les autres maisons. Là, ici, on accède au Faunazer, juste en dessous de ma maison hantée, hein, pour ceux qui s'en rappellent. Enfin, du coup, la maison hantée qui s'est transformée en maison hantée, donc le Faunazer. Là, on est chez BXNO, petite maison qui était quand même relativement très sympa, avec ici la salle à manger, sa salle des coffres, la table qu'on pouvait la troller, ça, c'était rigolo. Voilà, donc c'était plutôt sympa. En vrai, la maison était jolie, Anaïs aussi l'a trouvée jolie. Je sais plus comment ça s'appelle, une mezzanine, je crois, en haut, on va y arriver dans quelques instants. Je parle avec la voix off, c'est un peu compliqué, hein, je vais pas vous mentir. Voilà, mezzanine et puis le grenier juste en haut. Très sympa aussi, voilà, jusque là c'était plutôt sympathique. Ici la petite salle de bain, également sympathique. Et puis sa chambre juste derrière, voilà. Vraiment, faut rappeler que Madventure au début c'était solo. Parce que là on arrive à la première révélation. Alors attendez, ça c'est les skins aussi qui ont été construits par Firestorm et Anaïs, qui ont été construits en survival. Les amis, justement, toute l'importance c'est que vous le savez, Madventure, c'est une série à la base sans cheat. C'est une série legit, je vous l'ai toujours promis. Et en fait, voilà les révélations qui arrivent. Toonfoo était le premier à avoir rejoint la série.
je l'avais transformé en série multijoueur. Vous vous en rappelez. C'était un des premiers à l'avoir rejoint. Et en fait, il faut savoir qu'il m'avait... Ah là, il n'y a pas de problème contre Tounfou, hein, je vous le dis, il n'y a aucun problème. Mais vous voyez toutes ces constructions en l'air là qui volent, etc. Eh ben, il m'avait un petit peu... soudoyé, je ne sais pas si ça se dit, si c'est le mot, mais bref, il voulait que je lui mette World Edit. Et il m'a saoulé pendant des jours et des mois et des... un an peut-être pas, mais en tout cas des mois et des mois, il m'a saoulé pour que je mette World Edit. Et je lui ai accordé World Edit, sans le dire à personne, pour qu'il fasse ses trucs et qu'il arrête. Voilà. Donc tout le reste, officiellement, c'était sans cheat, à part les constructions de Tounfou, que je trouve relativement un petit peu dommage. Donc tous ces trucs un peu abusés que vous voyez en fond qui volent, ben ça c'était Tounfou. Sauf l'arc-en-ciel. L'arc-en-ciel aussi et les skins, ça a été fait par Anaïs en survival. Mais voilà. Donc c'est vraiment déjà le premier mensonge qui a eu lieu malheureusement, et j'en suis désolé, vous l'apprenez aujourd'hui. Là ici, la magnifique maison de Créo. Enfin, alors du coup, il a été trollé, ce qui est dommage. Trollé par Anaïs et Arthur. Était très jolie sa maison, j'ai beaucoup aimé. Elle se sent un peu foutue de sa gueule, comme vous pouvez voir. Mais voilà, partez bien du principe que tout, officiellement, est censé être fait en survival. D'accord ? Mais vraiment, c'est pour ça, les révélations arrivent là. C'est que déjà, il y a eu le premier mensonge, un petit peu. C'est le World Edit qui a été accordé à Firestorm. Non, pas à Firestorm, justement, mais à Tounfou. Un truc qu'il faut savoir également, alors ça, c'est la coloc qui a été construite par Anaïs, en survival également. Et juste à côté, vous voyez une tour à mob. Vous avez vu une tour à mob ? On va y venir juste après. Justement, en fait, il faut savoir que il n'y avait pas de plugin encore à cette époque, à part World Edit. Mais il n'y avait pas de plugin pour surveiller les gens, pour que personne ne cheat. Donc, tout le monde était opérateur. Donc, en fait, tout le monde pouvait faire des commandes. Ah, là, ici, c'était un prank, vous voyez ce rasoir. Alors là, Anaïs, elle l'a pris, elle s'est foirée. Mais en fait, c'était écrit le rasoir jamais utilisé par Mkolo. Donc, révélation. Voilà, Anaïs me fait la révélation que il se foutait de ma gueule par rapport à ma barbe. Ça fait plaisir. Voilà, je peux vous mentir que je l'ai bien pris, hein, sur le coup. Non, mais voilà. C'était le petit prank et voilà. C'était vraiment la soirée révélation, hein, quand on a regardé un petit peu tout ça sur Madventure. Donc, en fait, tout le monde pouvait se mettre en créatif sans problème parce que c'était pas surveillé, mais on se faisait confiance. Et en fait, ce qui se passe, c'est qu'on commençait à avoir des doutes quand même sur Arthur. Regardez sa salle à mob, elle est gigantesque. Quand même, vachement... Alors là, j'ai pas de problème contre Arthur, mais ça paraît un peu grandiose. Mais c'est pas fini, les amis. C'est pas fini, vous allez voir la suite. Donc ça, c'était une salle à mob. Très très bien, très très pratique. Là, vous allez voir un moulin. Très joli moulin, d'ailleurs, qui a été construit par Anaïs de manière legit, évidemment. Voilà, ça, c'est plutôt cool. Et là, on va continuer. Donc là, il me semble, il y a une ferme abusée de tortues. Ouais, c'est ça. Et puis là, il y a un phare. Voilà, très bien. Mais là, ce que vous allez voir, les amis, me dites pas que ça a été fait en survival. Personne ne l'a jamais vu, ça. Regardez, ce château fort géant. Personne ne l'a jamais vu, les gars. Je ne vous l'ai jamais montré parce que... C'est à l'écart et c'est abusé, et ça c'est Arthur qui l'a fait à Firestorm, mais voilà, ça c'est vraiment les gros soupçons, les gros soupçons, ça... Tu vois, Madventure saison 1, ça a commencé à partir en couille, c'est très bien, les gens construisent et tout, mais ça a commencé à partir en couille à partir de cet instant-là. Petite accusation, la salle à Creeper ici, c'était une salle pour farmer des CD que Arthur a réalisé, et en fait ce qui se passe, c'est qu'il y avait un spawner à Creeper, mais pour moi il n'était jamais là. Donc c'est un peu bizarre, j'ai toujours trouvé ça un peu bizarre. On va pas accuser à tort, mais pour moi, voilà, ça n'a pas à être là, et surtout ça me paraissait bizarre, regardez où il est. Il est au milieu de nulle part, tu vois. C'est lui qui a cassé autour, c'est un peu bizarre quand même, il n'y a pas de donjon, il n'y a rien. J'ai trouvé ça un peu chelou, mais on va rien dire en vrai, on va rien dire, on sait pas. Ne portons pas trop d'accusations là-dessus. On a d'autres trucs évidemment à en parler, donc voilà. Là on a fait un petit tour dans la maison, et là on s'est effrayé, Anaïs et moi, on avait oublié. Ah non, non, c'est ça, Anaïs avait raconté l'anecdote que la première fois qu'elle est rentrée, donc à l'époque, elle s'était effrayée avec ces notes blocs. Donc c'était plutôt rigolo. Là, les bons petits souvenirs là d'être dans la maison, de revoir un peu les panneaux, les coffres et tout, c'était rigolo. Voilà, sextape avec Tounfou, attention, silence Tounfou et Dragon Alpha font crac crac. Enfin bref, voilà, c'est plein de petits souvenirs sympas. Et encore une fois, je regrette vraiment d'avoir saccagé la maison. C'est vraiment dommage, c'est du gâchis, je trouve. Parce qu'elle était quand même relativement bien. Elle était pas spécialement belle, en vrai, je suis bien d'accord, mais elle était relativement bien. Là, on a ma chambre juste ici. Et une petite taverne juste en dessous, la taverne de BXNO. C'est ici que Lady Bird a fait sa première apparition. Et de même pour BXNO, c'est ici qu'elle a fait sa première apparition. Pour la petite anecdote, c'est plutôt stylé. Donc voilà, j'aime beaucoup ce petit clin d'œil. Qu'est-ce qu'on a là? Ah oui, un passage secret. Et voilà, nouvelle révélation les amis. Un passage secret qui mène à un club de striptease que j'ai réalisé en créatif les amis. Et oui les amis, j'ai réalisé ça en créatif. Tout à la fin, vraiment, c'était tout à la fin, au 99e épisode. Le moment, concrètement, où j'en avais marre de Minecraft, où j'en avais marre de la survie, j'en avais marre de Madventure, tout partait en cacahuète, ça me saoulait complètement, et je me voyais pas continuer
l'aventure et j'en avais marre. Voilà, je pouvais plus rien faire, j'avais plein d'idées mais je pouvais pas les réaliser. Et du coup j'ai fait ça en créatif, dans l'ombre. Je ne suis pas venu me vanter, tu vois, j'ai pas fait « Ah regardez, j'ai fait un club de striptease, wouhou !» Voilà, j'ai fait ça dans l'ombre, pour moi, pour le plaisir. C'est un petit peu exagéré, je vais pas vous mentir. Là j'ai fait en sorte qu'Anaïs elle vienne me faire un petit show mais elle a pas voulu. Elle a pas voulu me faire un petit show privé, je suis un petit peu déçu, je l'ai encore en travers de la gorge. Mais enfin c'est pas grave, on a failli aller dans ce lit géant. Finalement elle est repartie aussi vite, bon bah c'est pas grave. Non mais en tout cas voilà, j'ai fait ça en créatif, c'est aussi une des révélations. Mais vous allez voir, c'est quand même incroyable ma aventure. C'est concrètement, à part BXNO et Anaïs, personne n'a été clean. Voilà, vous allez très vite comprendre mais... C'est pour ça, sur Madventure 2.0, on a fait des choses pour qu'il n'y ait pas de cheat. Et justement, il y a des révélations aussi à faire sur Madventure 2.0. Donc si ça vous intéresse, voilà, je ferai une deuxième partie avec ce qu'on a fait sur Madventure 2.0. Ça peut être très sympa. Vous me direz en commentaire. Et vous mettrez les pouces bleus. Mais voilà, ne venez pas blâmer. C'est du passé, c'est derrière nous. Là, petite parenthèse sur ce volcan. J'avais réalisé qu'en fait, il est moche. Ce mini-volcan est moche. Et moi, je me rappelle qu'à l'époque, je le trouvais beau. Et tout le monde, vous tous les abonnés, vous trouviez ça moche. Et je disais, mais non, c'est trop bien. Mais en fait, c'est vrai qu'il est pas spécialement joli, quoi. Il est pas spécialement joli, on va pas se mentir. Là, les amis, regardez, on est chez Créo. Et en fait, je l'ai blâmé. Je l'avais blâmé à l'époque. Je lui ai dit, tu te fous de ma gueule? Regardez ces galeries creusées, là. Vous trouvez pas que ça a été fait, genre, avec World Edit? On dirait que ça a été fait avec World Edit, vous trouvez pas? Enfin, moi, j'ai trouvé. Donc, je lui ai dit, frérot, tu te fous de ma gueule ou pas? Et il m'a promis qu'il n'avait pas cheaté. Il m'a promis qu'il n'avait pas cheaté, donc, je le crois. Sauf qu'en fait, il m'a révélé tout à la fin, à cause d'un truc qui s'est passé sur Madventure 2.0, que au tout début de la vidéo, là, qu'on a commencé, tu sais, il a fait un monde japonais, vous vous en rappelez au début de la vidéo, il y a 10 minutes. Et ben en fait, il m'a avoué qu'il avait fait ça en créatif, mais parce que c'était la fin de la série, tu vois, de la même façon que mon club de striptease, voilà, c'était la fin de la série. Alors on a le mur des acolytes aussi, mais c'était la fin de la série, donc il s'est permis de le faire, mais il me l'a jamais dit, tu vois, donc peut-être que les galeries, il l'a fait aussi en créatif. Donc au final, on a Toonfou qui avait World Edit, on a Arthur qui s'est mis en créatif, on a Creo qui s'est mis en créatif, et il y a moi qui me suis mis en créatif pour la fin de la série. Là où est la différence? Ah oui, là on s'était effrayé avec Anaïs parce que du coup il y a la musique qui s'est lancée tout seul alors qu'on n'était pas du tout sur la plaque de pression. C'est parce qu'il y avait des monstres en fait qui ont marché dessus, donc ça nous a un petit peu effrayé. Et là vous allez voir aussi juste après les loups avec les noms des abonnés, ça c'était stylé. Alors il doit rester un abonné sur tous les abonnés qui doit être actif, mais c'est pas bien grave. En tout cas voilà les révélations. C'est à dire que bon ben là il y a la maison d'Arthur juste derrière aussi. On sait pas s'il l'a fait en créatif ou pas. Il y a jamais eu d'aveu. Mais il y a des trucs quand même vachement suspects. Et puis là c'était la maison d'Anaïs qui était très sympathique. En tout cas voilà, pour résumer en fait, Madventure à la base c'était solo, il n'y avait pas de cheat. Et après j'ai fait rentrer mes acolytes au fur et à mesure. Et Toonfou, il voulait absolument World Edit et il lâchait pas l'affaire. Donc je lui ai octroyé ce droit très discrètement. Je voulais pas qu'on en parle, je voulais qu'on fasse ça très brièvement et qu'il se débrouille. Et c'est tout, le reste personne ne cheat, moi je n'ai jamais cheaté, etc. Par la suite on a Arthur, j'ai eu des doutes sur ce qu'il a fait. Et par la suite, Creo me révèle aussi avoir cheaté à la fin de la série. Et de la même façon que moi, à la fin de la série, je me suis un peu amusé à faire du créatif. Donc, rien de bien grave, bien au contraire. Et du coup, ce qui fait que sur Madventure 2.0, quand on a recommencé, j'ai demandé à ce qu'on fasse tout un truc avec des plugins pour être sûr que personne ne cheat. Et résultat, sur Madventure 2.0, personne n'a cheaté, mais il se pourrait qu'il s'est passé quand même quelque chose. Et si ça vous intéresse, on peut en parler dans une deuxième partie. Et... voilà, Madventure 2.0, c'est un petit peu plus complexe finalement que Madventure saison 1. En tout cas, voilà, ça nous a fait du bien de retourner là-dessus. Et évidemment, ça fait partie des choses dommages d'avoir arrêté. Mais voilà, j'en avais vraiment marre. Et de la même façon que Madventure 2.0, vous allez très vite comprendre pourquoi j'ai arrêté. Et c'était un peu plus compliqué. En tout cas, voilà, j'espère que vous avez bien aimé cette vidéo. Malheureusement, avec une petite voix off derrière parce que j'ai un petit peu foiré mon enregistrement. Bon, bah voilà. 3 heures de vidéo dans le vent, mais c'est pas grave. En tout cas, n'oubliez pas le pouce bleu et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. C'était Mkolo et merci à Anaïs d'avoir été là. Plein de bisous. Ciao tout le monde.